Salut les amis, content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de vraiment simple. Le porc braisé au four. Et pour cela, là, j'ai 1 kg 100 g de porc. Là, j'ai pris cette partie du porc où il y a la graisse, où il y a la peau en bas. Et là, j'ai un sachet d'adja. Adja, c'est un cube d'assaisonnement, comme une poudre d'assaisonnement. Mais que je vais utiliser cette fois-ci pour juste faire pré-cuire ma viande de porc. Dans un premier temps, j'ai découpé ma viande de porc, je l'ai divisée en 4 pour pouvoir bien la mariner avec mon sachet d'adja. Et je vais venir ajouter la 400 ml d'eau. Et laisser maintenant pré-cuire ma viande. J'ajoute juste le adja, pas de sel, rien. Juste laisser bouillir pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, voilà mon porc pré-cuit. Je vais le retirer maintenant et découper et le faire passer au four. Donc là, je viens de le retirer après 10 minutes. Mon porc là est fin prêt à passer au four. Je vais le mettre pendant 7 minutes et le ressortir pour le mettre dans une vinaigrette avant de le rajouter encore pendant les 5 dernières minutes. Là, il passe au four pour 7 minutes à 180 degrés. Après 7 minutes, voilà mon porc. Je suis venue dans une saladière. J'ai mis une cuillère à soupe, comme vous voyez, une cuillère à soupe de moutarde, une demi-cuillère à café de poivre noir, deux pincées de sel et une cuillère à soupe de vinaigre. Et je vais venir mélanger mon porc dans ce mélange là et le laisser au four encore pendant 10 minutes. Et on est bon. Ça sent trop bon. Mon porc bien mélangé dans le liquide. Normalement, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile. Mais comme c'est le porc, il y a déjà assez de graisse là-dessus. Donc, j'ai juste mis le vinaigre. Mais si vous faites avec une autre sorte de viande, genre la viande de bœuf, dans la vinaigrette, vous pouvez mettre une cuillère à soupe d'huile. Là, mon mélange est prêt à repasser au four pour 10 minutes et on est bon. Et c'est servi. C'est déjà l'eau à la bouche là. Voici mon porc finalement prêt, mon porc audio. Regardez-moi cette texture là. Trop trop bon. Voilà mon piment. Mon piment qui tue, mon piment villageois. La concassée d'oignon. Un peu de moutarde. Et surtout accompagné d'attique. Et donc voilà, après 30 minutes de cuisson à tout casser, mon porc audio est prêt, mon porc au four. Merci d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous avez aimé. Que vous avez aimé. Et surtout, que Dieu nous garde. Bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de nouvelles recettes. Bisous, bon appétit.